Confiance, performance et engagement au service de tous. La Poste, partenaire des arbitres. Michel Serre, merci de nous recevoir. Vous avez intitulé votre tribune pour le livre « Tous arbitres ». Les arbitres ne font pas d'erreur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce parti pris pour le moins singulier et qui, en première approche, peut surprendre ? Peut surprendre. Vous me demandez si les arbitres ne font pas d'erreur. La réponse est oui, ils font des erreurs. Ils font des erreurs tout le temps. Ils font des erreurs que nous relevons, que nous voyons, etc. Et pour une raison très simple, c'est que les arbitres sont des hommes comme nous et que nous faisons des erreurs tous les jours. Mais il y a deux erreurs, cher ami. Il y a l'erreur de fait et l'erreur de droit. Et ça, ça distingue absolument le sport collectif de tout le reste des activités. Alors l'erreur de fait, c'est que les arbitres font des erreurs. Très bien. Et si on tenait compte dans le droit des erreurs de fait que les arbitres commettent, alors dans ce cas-là, il est bien clair qu'il faudrait recommencer le match puisque les arbitres font des erreurs. Mais si on recommençait le match, il est bien clair, de nouveau, que les arbitres feraient encore des erreurs. Alors on le recommencerait combien de fois le match ? Une, deux, cinq, dix, vingt ? C'est impossible. Et par conséquent, il y a le droit qui intervient après le fait. Et le droit, c'est l'arbitre qui le donne. Parce que finalement, le droit domine tous les sports collectifs. Il y a un droit de l'espace, il y a un droit du temps, il y a le temps des mi-temps, il y a les règles du sport en question. Et par conséquent, l'arbitre fait... le droit. Et par conséquent, comme on ne peut pas refaire le match, eh bien, en droit, l'arbitre ne fait jamais d'erreur. Voilà. Eh bien, un match, c'est un tribunal sans appel. Voilà. Autre question, Michel Serre. Média-arbitrage, la cohabitation est-elle possible ? Selon vous, est-elle effectivement possible ? Mais elle est possible, puisque c'est des spectacles. Continuons, si vous voulez. Mais ça, ce n'est pas mon problème. La cohabitation, là, me paraît importante, et je l'ai déjà dit, du point de vue de la pédagogie. J'ai hésité à parler parce que j'allais dire de l'éthique ou de la morale ou de l'éthique du sport. Et critiquer l'arbitre, alors là, vraiment, c'est très immoral ou anti-éthique. C'est anti-droit, mais aussi anti-éthique, parce qu'il y a quand même un esprit du sport. Pourquoi ? Ben, c'est très simple, je l'ai dit tout à l'heure. Il s'agit de dominer sa propre violence. Bon, c'est vrai dans tous les sports. Et c'est un apprentissage difficile, un apprentissage délicat, parce qu'il faut que chaque joueur connaisse merveilleusement les règles, etc., les applique, et ait le courage et la domination d'arrêter le geste au moment où il excède, vous voyez. Et si nos amis des médias, et si les entraîneurs les aidaient, ces jeunes gens-là, vous voyez. Moi, j'aime beaucoup les jeunes gens. J'ai été enseignant toute ma vie, je le suis encore. Et il faut les aider dans cette espèce d'austérité de dominer sa propre violence. Alors, si les médias collaborent à l'inverse, moi, je veux bien. Mais dans ce cas-là, c'est un problème de droit, de juridiction, d'éthique et de pédagogie. De quoi avons-nous besoin pour faire preuve de moins d'immoralité, de plus de pédagogie ? Moi, je crois que le respect de l'arbitre est le commencement de la démocratie. Que le respect de l'arbitre est le commencement du sport. Et par conséquent, je l'ai dit dans mon texte, de façon un peu provocante, ce n'est pas le 3 carrel qui marque l'essai, ce n'est pas le numéro 10 qui marque le but, c'est l'arbitre qui le marque. Et la preuve, c'est que le langage le dit, il le marque. Et le mot marqué, le verbe marqué n'a rien à voir avec lancer un ballon dans les filets ou porter le ballon ovale dans une aire donnée. Marquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire écrire, mais écrit sur le calepin, sur le planchotte, comme on dit dans le sud-ouest. Voilà. Et celui qui écrit, c'est l'arbitre. Par conséquent, c'est l'arbitre qui marque. Et donc, il ne peut pas se tromper. Il n'accorde pas le but, non, il le marque. Je suis vraiment désolé de ne pas être présent pour cette réunion, parce que je ne suis même pas sur le sol français en ce moment. Je souhaite qu'elle réussisse beaucoup. Je salue tous les participants à cette réunion et en particulier le président de la Poste.